Mon amour, 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 mon
Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme.
chacun à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. La marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une fille, qu'une femme, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter? Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Non, ici déjà la question là s'arrête. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Nous prenons 1 Timothée chapitre 2. Le verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur, et modestie, ne se parlent ni détresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres. Qu'elle sépare de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. 1 Pierre chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste en des cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on révèle, mais ayez la parure intérieure caché dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi, séparer autrefois les saintes femmes, les saintes femmes qui espéraient en Dieu, qui étaient soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham,
Et l'appeler son Seigneur. Seigneur Sarah. Ah. Vous, vous, les femmes de notre église, vous êtes les filles. Et des en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et le Seigneur Jésus-Christ a béni à chacun. Et les seuls, les
Et le Seigneur Jésus-Christ bénisse ta présence ce matin. Et le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Nous acclamons encore pour le Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que lui, il a voulu. Lui, il a voulu bien aimer. C'est pourquoi il a permis que nous soyons ici. C'est pourquoi il a permis que nous soyons dans sa présence. C'est une grâce que nous avons de lui. Et lui, Jésus-Christ. Les psalmistes disaient, m'approcher de toi, Éternel. C'est pour mon bien. Si tu viens au devant du Seigneur ce matin, c'est pour ton bien, frère. C'est pour ton bien, bien-aimé. Parce que c'est lui qui pardonne. En dehors de lui, personne ne peut pardonner le péché. Il est écrit, le pardon se trouve auprès de toi. Afin que les hommes te craignent. Si tu as des remords à cause d'un péché, crois que le Seigneur va te les pardonner aujourd'hui. Parce qu'il est redoutable dans l'assemblée des saints. Ici nous ne venons pas blaguer, frère. Ici nous ne venons pas plaisanter. Nous venons devant le Seigneur de toute la terre. Lui qui fait toutes choses pour nous. Comme nous avons l'habitude de les chanter. Amen. Il fait toutes choses pour nous. Il fait toutes choses à notre faveur. Il ne sait rien faire qui ne puisse te défavoriser. Il est plus que nos parents biologiques. Parce qu'un parent normal, il fait toujours des choses en faveur de sa famille. Et le Seigneur est plus qu'un père biologique pour nous. Il prend toujours soin de nous, frères. Assure-toi que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Le Seigneur sera toujours avec toi dans les temps. Le Seigneur te conduira sous ce soleil. Malgré les combats, malgré les paroles des hommes, malgré les difficultés, le Seigneur sera toujours avec toi. Il va toujours témoigner de sa présence. Israël, il marchait dans le désert. Il marchait dans le désert avec le Seigneur. Malgré toutes les turbulences qu'il pouvait y avoir, malgré tout ce qu'il pouvait faire, mais le Seigneur était toujours là. Le Seigneur faisait toujours prévoir la manne. À aucun jour, pendant leur marche, ils ont dit que la manne avait cessé. Non, pas jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à Cana, arrivèrent au pays de Moab. C'est là que la manne avait cessé. C'est là qu'ils avaient fait la provision de la manne pour entrer dans Cana. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Assure-toi que le Seigneur te connaît. Et si tu es ici, ce n'est pas en vain. Parce que cette assemblée, elle est redoutable. C'est l'assemblée du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous donne la parole au jour le jour. C'est pourquoi le Seigneur nous parle au jour le jour. C'est pourquoi tu dois bannir les chagrins de ton cœur. Tu dois bannir les chagrins de ton cœur. Enlève tout inquiétude.
inquiétude. Même si tu as été oppressé là où tu viens, sache qu'ici il y a la paix, Seigneur. Recevez la paix au nom de Jésus. Recevez cette paix au nom de Jésus. Parce que les inquiétudes n'ajoutent rien à la vie. Qui par ses inquiétudes? Qui par ses inquiétudes? Ajouter une couronne à la durée de sa femme. Personne. À côté. Les inquiétudes dans ta vie. À part ça, comment il y a eu? N'ajouteront rien au jour de ta vie sur la terre. Les inquiétudes n'ajouteront même pas un seul jour. Alors tu n'as pas intérêt à les emmagasiner en toi. Amen. Tu dois avoir la paix du Seigneur dans ton cœur. Parce que Christ est avec toi. Il a tout vaincu. Il a dit à la croix, tout est accompli. Et tu as cet accès-là de t'approcher de lui. Ce n'est pas le siècle présent qui va t'amener loin de lui. C'est lui qui te tient. Et sa main est ferme. Sa main est immuable. C'est un Dieu fidèle. Quand il saisit quelqu'un, qui a suivi mon Dieu, c'est jusqu'à la fin. C'est toi qui peux le laisser. Mais lui ne te laissera jamais. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Il ne revient pas de sa parole. Il t'a mis la ceinture. Il t'a fait
ça. Et personne ne peut te prendre. Même les sorciers. Même là où tu travailles. Même les gens de ta famille. Personne ne peut te prendre. C'est Dieu qui t'a saint. Avant que toi tu l'aies connu. C'est ça la parole de Dieu. Lui t'a saint de force. De puissance. Avant que tu l'aies connu. C'est ça sa parole. Il dit que tu seras toujours vainqueur. Même quand tu étais là-bas dans le monde. Sans Dieu. Sans Saint-Esprit. Les sorciers ne pouvaient pas te manger pour que tu ne connaisses pas Jésus. C'est la parole de Dieu qui est quelque chose. Et c'est ça que je voulais te dire ce matin. Amen. Sois rassuré que le Seigneur est avec toi. Sois rassuré que c'est le Seigneur qui t'a saisi. Le Seigneur ne te laissera pas. Ne te laissera jamais. Même si tu vois la maladie entrer dans ta maison, le Seigneur l'a seulement permis pour que tu pries. Et puis ça va sortir. C'est comme ça que David voyait le combat. David dit c'était pour que le Seigneur rende ses pieds légers qu'une biche. Et c'est même souple au combat. C'est ça les difficultés de la vie. C'est seulement pour te forger. Et les paroles des hommes, c'est pour que tu aies un grand cœur. C'est tout. Si tu ne comprends pas ça, tu seras dans les inquiétudes inutiles. Même là on te délivre, tu n'as pas l'argent. Dans la famille on te méprise. Et c'est pour que tu aies un grand cœur. C'est tout, frère. Parce que tu as tout, parce que tu as Jésus Christ. Jésus Christ est tout. La foi en Jésus que nous avons, c'est de l'or. C'est ce qui paradis riche. Pierre aussi disait, pour vous qui croyez, l'honneur est à vous. Vous êtes des honorables. Il n'a pas dit que les gens qui siègent là-bas au Parlement sont des honorables d'abord. Non. Il dit pour vous qui croyez, l'honneur est à vous. La foi en Jésus rend des gens des honorables dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, plus que les gens de la terre, c'est ce que tu dois ancrer en toi. Que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie. Le Seigneur Jésus-Christ t'affermit encore. Parce qu'il a cette capacité là qui t'affermisse. La perfection, l'affermissement n'est pas une illusion, n'est pas une idée. Jésus fait ça. Il enlève vraiment tous les péchés, les faiblesses dans la vie de l'homme. Et il est fait semblable à lui. Et cela se fait au moyen de la parole. De seule la parole que tu écoutes là, tu vas constater à un moment de ta vie que tu as un bon cœur. Tu n'as plus un cœur comme celui que tu avais auparavant. Ta vie n'est plus celle que tu avais auparavant. Tu n'as pas à supporter les gens. Tu as une grande patience. Sainteté sans crainte. C'est la sainteté qu'on te pousse. Jésus fait ça dans la vie de l'homme. Mais au moyen de
c'est ça que vous êtes. Vous êtes ces gens-là qui doivent parvenir à la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous êtes venus ici ce matin pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable. Il est Dieu véritable. Nous sommes dans notre enseignement. On avait déjà commencé il y a longtemps. Où l'on parlait sur les choses conformes à la sainte doctrine. Ah, oui, l'ongobani, conforme à la sainte doctrine. Et parmi ces choses-là, on avait parlé aussi de la maison de Dieu. Et on avait parlé aussi de la pierre à sept yeux. La pierre comme la foi et les sept yeux comme les sept choses que la foi doit manifester dans notre vie. La vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, et maintenant nous sommes dans la piété. On avait dit que la piété c'est le respect des choses sacrées. Et cette piété là est l'un des yeux de la foi. On avait dit que si tu as ces choses là, tu ne seras plus aveugle, parce que tu verras tout. En ce qui concerne les mal, si ça veut venir dans le sens des manques de tempérance, la tempérance comme un œil, va voir que ceci veut me faire pécher. Et avec la tempérance, pour que tu ne puisses pas pécher. S'il y a quelque chose qui vient dans le sens du manque de patience, avec la patience, tu vas voir que ça vient dans le sens de me faire pécher. Et la patience comme un œil va découvrir que ceci veut me faire pécher. Pourquoi on a dit que ces sept choses-là sont les sept yeux? On a dit que si ces choses sont en vous en abondance, nous ne laisserons pas oisifs ni stériles. Amen. On a dit que ces choses doivent être en abondance. Pour que vous ne branchez point. Amen. Amen. Alors pour qu'on parvienne à la perfection, on doit manifester ces sept choses. Mais celui qui ne les a pas, ils sont des aveux. Ils sont mis en oubli la purification de leur péché. C'est pourquoi on avait dit, pour nous convaincre que le Seigneur a pardonné tes péchés et que toi tu as la foi, ta foi doit manifester ces sept choses en abondance. Maintenant nous parlons sur la piété. Et on avait parlé du culte. Et on a parlé aussi des ornements. Et la parure. La parure de la femme. Aujourd'hui on va ajouter aussi les voiles par la grâce de Dieu. Parce que ce sont des choses conformes à la sainte doctrine. Si nous respectons cela, nous allons voir le Seigneur. J'avais dit ceci. La piété, c'est la contrepartie de l'œuvre que le Seigneur a faite. Quand le Seigneur accomplit mon œuvre pour toi, il a accompli l'œuvre de la croix. Il t'a donné la foi. Il t'a donné la connaissance. Il t'a donné la vie éternelle. En contrepartie, il demande qu'on lui rende un culte qui lui soit agréable. Avec piété et crainte. On dit ceci. Parce que notre Dieu est aussi un feu de vos rangs. Parce que lui il a accompli quelque chose de bien pour toi, et toi aussi tu dois le
l'honorer en respectant ce que lui l'a recommandé. Ne soyez pas profane comme Esaü. Il a payé pour la nourriture. Il a vendu les droits de naissance. Être profane, non, être profane, c'est manquer le respect des choses sacrées. Amen. Mais celui qui a le respect des choses sacrées, on l'appelle pieux. Il ne savait pas que c'est en vertu de ces trois tenues là qu'on va lui donner l'héritage à la fin. Parce que l'héritage de la famille revient au premier né après la mort du père. Revient au premier né après la mort du père. Mais lui, il avait vendu. Il a vendu les droits de l'aise. Il a dit, à quoi me servira les droits de l'aise? Donne-moi la nourriture, prends les droits de l'aise. Mais à la fin, lorsque le temps de la bénédiction était venu, il a versé des larmes. Mais cela n'avait plus aucun effet. Parce qu'il n'était pas. Il n'était pas pieux, il était profane. La parole, l'iloba, c'est pourquoi dans la parole, dans la piété, nous avons ouvert une brèche de la parure de la femme. La parure de la femme. Amen. Parce que c'est très important. Tout ce que la Bible dit doit être respecté dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. Le frère Paul nous dit ceci. Il dit, je veux que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parle ni détresse, ni d'or, ni de perles, ni de vêtements somptueux. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et là, on a montré les femmes qui font profession de servir Dieu. Quelles sont leurs manières de se paraître? Ils ont leur manière de se parer. La manière dont on nous a donné là. Si tu n'as pas cette façon-là, tu n'es pas aussi une femme qui fait profession de servir. Amen. Quand tu te dis que tu sers Dieu, mais on ne voit pas toutes ces choses ici en toi, ma soeur. Il a comme aujourd'hui, le voilà, il y a plusieurs styles de vêtements. Vous allez voir les femmes s'habiller avec des vêtements qui serrent le corps. C'est une longue jupe. Une longue jupe. Mais qui a serré le corps. La doctrine interdit toutes ces choses-là. Une fille de Dieu. Une femme qui fait profession de servir Dieu. Ne doit pas avoir cette façon-là de s'habiller. On dit vêtu d'une manière décente. Donc quand on te regarde, tu n'es pas en train de séduire les gens. On dit avec pudeur. Modestie. C'est comme ça que le frère Paul nous a
c'est pas mis détresse. Mais les vêtements sont Dieu. Dans cette écriture, il dit ce n'est pas une catégorie de femmes. Non. Non, non. Comme nous voyons dans l'église catholique, seulement une catégorie de femmes qui s'habille bien. Non, ce n'est pas ça, frère. J'ai déjà posé la question à un catholique, mais pourquoi c'est seulement les masseurs là, les messieurs là, qui s'habillent bien? Mais les autres là, les mamans qui restent là et les jeunes filles portent comme il leur plaît. Parce qu'ils ont fait mal à la lecture de cette écriture. Et ici, les femmes dont on parle ici, qui servent Dieu, c'est toutes les femmes qui ont la foi en Jésus. Doit avoir cet habillement-là. Ça te parle ni détresse. Là, on parle dans les formes des ajouts. Comme Jézabel. Vous voyez Jézabel? Lorsqu'elle a vu Jéhu venir, lorsqu'elle a vu cet homme-là venir, elle est entrée dans sa maison. On dit, elle s'est fata les joues. Encore les mêmes capes. Hein? Voyez là où viennent ces habitudes là. Jézabel, elle entra dans sa maison. Elle se farda les visages. On dit qu'elle se para les cheveux. Amen. 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 Ces habitudes là, ce n'étaient pas les habitudes des filles d'Israël. Amen. On dit ni d'or, ni de père, ni de vêtements sombres, mais plutôt des bonnes œuvres. Ici, on veut dire quoi? Tu peux remarquer là-bas dans l'ombre une femme, moi-ci, ou une sainte femme, moi-ci, mon sang, qui s'est parlé de toutes ces choses-là. L'apôtre Paul te dit, tous ces ornements-là sur elle, aujourd'hui, ce sont des bonnes œuvres. Et le frère Pierre ajoute, c'est ce qui est d'un grand prix devant Dieu. D'un grand prix. Vous voulez dire quoi? Vous voyez de l'or. C'est tellement précieux. Toutes ces choses-là, des bijoux. Mais là, aujourd'hui, ce que Dieu trouve très précieux, ce n'est plus ce qui est matériel, ce n'est plus ce qui est physique là, mais ce sont les bonnes œuvres. On lise bien les frères Pierre. Après, nous irons dans l'ombre. On dit ceci: femmes, obéissez de même, soyez de même soumises à vos maris. Afin que, si quelques-unes n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Maintenant, écoutez. Ayez. Non. De la terre, cette parure extérieure qui consiste en les cheveux tressés, des ornements d'or et des habits qu'on rêvait. Il dit, les femmes ne doivent pas avoir de l'extérieur comme ça, des ornements d'or, des perles, des cheveux tressés. Les sont Dieu qu'on rêvait. Mais les femmes ne doivent pas avoir ça. Mais elles doivent avoir quoi? Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. On veut te dire quoi? Vous voyez la parure là extérieure. Aujourd'hui, tu ne dois plus te parler comme ça. Mais tu dois parler ton cœur. C'est vrai, caché là.
c'est quoi? Alors, la pureté incorruptible. Alors, dit mon père, tu es là qui combien? D'un esprit doux et paisible. Olivier, mon mission qui a payé à Kimia. À la place d'avoir des ornements d'or. Et si tu vois là, tu es là, à la place de vous, de voir des cheveux dressés. Tu vois, lui, t'as dit, t'as souffert dans ma situation. Tu vas être belle devant les gens. Oui, tu vois, tu es là, tu es là. Tu penses aussi qui est là? De la chair. Qu'est-ce qui s'est parlé de ces choses ici? La femme. Moi, qui s'est parlé de ces choses? C'est aussi dans l'intention de séduire les gens. Et paraître belle. Et de faire la chair. Maintenant, on dit, ça, c'est pas toutes ces choses-là qui doivent être dans les cœurs. Et on explique ça. La pureté incorruptible est un esprit des cabellos, plantes, c'est ça. La pureté incorruptible d'un esprit doux, et paisible. Puis la femme, moi, on a trouvé les bonnes œuvres. Ouais. C'est la même chose avec ce que Paul a dit là-bas dans Timothée. Il a parlé en termes des bonnes œuvres. Chaste et réserve. On a parlé de la pureté de l'esprit doux. Une femme qui ne doit pas être rétive, têtue. On ne doit pas trouver une femme têtue. Ce n'est pas la nature de la femme. Une femme est mariée, même une jeune seule. Ce n'est pas une femme qui a. C'était au crépuscule.
minuscule. Pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité, la ruse. Et la femme qui a la ruse
brise dans son cœur. Elle met son lien. Il dit cette femme-là, elle est plus amère que la mort. Que le Seigneur te fasse grâce de ne pas tomber sur ce genre de femmes. Que tu puisses faire un choix vraiment venant de Dieu. Salomon dit que la femme a la ruse dans le cœur. Elle est plus amère que la mort. Mais quand il vient chez ses filles, il ne veut pas avoir cette manière-là de vivre. Cette manière de vivre doit être de chaste et réservée. Il y a un frère qui m'avait posé la question. Parce que lui, il était en Europe. Il dit, une soeur aussi peut commencer à dire, un frère aussi, je t'aime. Une sœur qui a le Saint-Esprit, comment elle va faire? Pierre a dit la manière de vivre, que chaste est réservée. Les femmes dans l'église sont déjà réservées. Ce ne sont pas des gens brillants. Elle n'a pas dit. Qui parle trop. Il y a ta maison. Racontant des choses qui ne doivent pas même être dites. Songi. Amen. Amen. C'est pas ça la nature de la femme. Moi si. Bon côté. Maintenant quand tu mets ces bonnes œuvres en toi. Tu enlèves toutes ces choses-là. Ces bonnes œuvres-là. C'est comme la parure. Parce que Dieu, dans l'ombre, lorsque il voulait parler de sa gloire qu'il a donnée au peuple, il a commencé à parler de ça comme des ornements dans le corps d'une femme. On avait vu ça le vendredi passé. Isaïe chapitre 3. Ceux qui étaient là avaient compris. Le verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel a dit, Yahweh a lobby. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Donc les filles de Sion ici, c'est seulement tout le peuple, le pays d'Israël. Les filles de Sion, les hommes et les femmes. On parle en termes de filles. On veut parler seulement des villes d'Israël. Et vous allez remarquer dans notre lecture, toutes ces filles-là n'ont qu'une seule tête. J'ai dit toutes ces filles-là n'ont qu'une seule tête. Cela veut dire que toutes les villes n'avaient qu'un seul lieu d'adoration où la gloire de Dieu était descendue. Là où la gloire était descendue du temple de Salomon. Où on avait bâti les temples. On dit qu'elle marche cou tendu. Écoutez ceci. Yoko. On dit qu'elles sont orgueilleuses. Maintenant, on commence à dire leur manière. Elles marchent cou tendu. C'est-à-dire leur manière de vivre n'était plus bonne. Donc, quand Dieu ne reproche pas la marche de quelqu'un, c'est spirituel. Il n'a plus la marche physique pour que tu comprennes ce qui se passe avec ce peuple. Ah, non, de leur pied. Les boucles des pieds étaient en train de résonner. Ils ont résonné. C'est le temple
temple de l'Éternel. Ici, c'est le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Les seigneurs, parce qu'ils sont, orgueilleux, les seigneurs rendra chauve les sommets de la tête des filles de Sion. Amen. De la, du sommet de qui? Du sommet de la tête de qui? Des filles de Sion. Les filles de Sion, plusieurs. Elles ont une seule tête. Si moto, kaka, la tête est là. Comment c'est la montagne là où il y avait les temples. Parce que la tête, moto, la gloire où la montagne là où il y avait les temples, la gloire y était descendue. Maintenant, cette gloire là, on la compare aux ornements. On la compare aussi à la chevelure de la femme. Écoute ce que le prophète dit. Le Seigneur rendra chauve la tête des filles de Sion. Il veut expliquer en d'autres termes raser la tête. L'Éternel découvrira leur nudité. Donc cela veut dire quand l'Éternel rase les cheveux, le Seigneur leur aussi ravi le vêtement. Cela veut dire qu'elles entrent dans l'opprobre, qu'elles entrent dans les sarcasmes, les railleries des hommes. Maintenant, on veut encore expliciter ça. En ce jour-là, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Et les filets et les croissants. Et les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes et les chaînettes des pieds, les ceintures et les boîtes de santé, et les amulettes, les bagues et les anneaux au nez. C'est le fait de quand Dieu ôte sa gloire. Quand Dieu rase la chevelure. En d'autres termes, il ravit aussi les ornements du peuple. Ça ne veut pas dire que ces filles étaient physiques. Non, frère. Ça représentait Israël. C'est la gloire de Dieu. Elle parlait de la gloire de Dieu. Le peuple pêche. Dieu vient. Il prend la gloire, il part. Dans les langages comme ça des hommes, c'est la belle, il est en l'air de ses ornements là. Le vêtement précieux. Attends, aujourd'hui, les ornements, il a quoi toutes ces choses ici, il a quoi c'est la là. Vie de Dieu en toi. C'est Onzambe Wana. Ah. Cette divinité, Onzambe. C'est ça toutes ces choses. Il a quoi il a quoi c'est même les bagues. Attends, on le pète. Quand tu as la vie de Dieu, voilà, on a quoi il a Onzambe. Il va pas quelqu'un qui a aussi la bague. Il va pas quelqu'un qui a aussi la bague. Expliquer toutes ces choses avec les Écritures. Comment vous voyez ça avec moi? Je te vois avec des boucles d'oreilles en or. Le Seigneur a représenté comme
comme la chevelure. Alors, ils la soupe. Maintenant, pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on puisse ajouter des choses dans la chevelure? Parce qu'il a déjà appelé la chevelure de la femme. C'est la gloire. Même naturellement comme ça. La chevelure de la femme. C'est la gloire. Vous allez voir du temps du prophète Ézéchiel. Lorsqu'ils étaient dans la déportation. Lui il était dans la déportation. Ils étaient allés au premier tour avec le roi Jéconia. Parce que la déportation s'est faite trois fois. Amen. Du temps de Joachim, du temps de Jéconia qu'on appelle Joachim, et du temps aussi de Sédécias. Et c'est toutes ces choses, on va voir ça même dans la prophétie. Nous entrons dans les enseignements prophétiques. Ces choses-là sont très importantes. On parle vraiment des choses depuis la création du monde. Amen. Ils sont allés là-bas. Ézéchiel était avec les anciens. Vous allez voir ça. Ézéchiel, là, qui n'a pas parce que je veux entrer aussi dans les voiles. Après ça, je vais descendre. Ézéchiel était avec les anciens. Ézéchiel, là, qui n'a pas. Il était là, il parlait avec les anciens. Il était là au devant d'eux. Et le Seigneur est venu à Babylone. Il a pris Ézéchiel. Ézéchiel. Et il l'a amené jusqu'à Jérusalem. C'est comme ça aussi que la prophétie fonctionne. Hein? La prophétie aussi fonctionne comme ça. Tu peux être là avec quelqu'un. Il croit que tu es là. Mais tu t'avais déjà pris il y a longtemps. Ça, c'est pas la sorcellerie. Je ne parle pas de voyages astro. Mais je parle de la Bible, des Écritures. Qu'on lise ça. Ézéchiel 8. La sixième année. Le cinquième jour du sixième mois. Comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. J'ai regardé. Donc il était là avec les anciens dans sa maison. Directement la main du Seigneur tomba sur lui. J'ai regardé. Et c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Je saute, le verset 3. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Vous voyez ça? Il était avec des gens en train de se parler, en train de s'entretenir. Mais Dieu vient, il lui voit par les cheveux. Les gens le voient comme s'il est là avec nous en train de causer. Mais lui il était déjà parti. Ça c'est pas la sorcellerie. Ça c'est l'opération du Saint-Esprit dans la prophétie. Il peut te prendre un esprit de la vie. Alors, tu vois des choses que les gens ne verront pas. Amen. Les voyages astraux sont sataniques. Non, on parle des dons spirituels de la prophétie. Ça c'est biblique. Avec le Saint-Esprit. On ne parle pas des sorciers. On parle de la divinité dans un prophète. Qu'est-ce qu'il a vu? Il est allé là-bas au temple. On a la tête à Québec. Il a vu l'idole. Là où il y avait la gloire de Dieu. Mais il a vu les idoles comme chez les nations. Parce que l'Éternel, c'est lui qui est la gloire d'Israël. Mais les idoles, c'est la gloire des gens des nations. Et la gloire chez Dieu. Et pas dans la vu comme la chevelure de la femme. C'est là où le peuple a pris la gloire des nations.
venir ajouter à la gloire de Dieu. Les choses des étrangers, le Seigneur l'a ajouté là. Israël l'a ajouté là. C'est là où on interdit les ajouts. Amen. Comme c'était le cas, on a pris la gloire de Dieu et on l'a joint à la gloire des hommes. Dieu devait abandonner le peuple parti. C'est pourquoi doctrinalement comme ça, laisse-le en Christ. Pas mettre les mèches, les plantes, les camelles, toutes ces choses là. Parce que la chevelure lui a été donnée comme gloire. La gloire que Dieu t'a donnée, tu ne dois nous rien joindre à cela. Tu es en train de marcher derrière lui.
tu le vérifies d'abord, qui s'est écarté. Ce n'est pas ton pasteur qui a posé le fondement. Les chefs d'une rébellion. Les gens se révoltaient contre les dominations.
Ils étaient les chefs du peuple, frère. Mais lorsque l'aveugle est né, il a pris du courage. Il a affronté les chefs du peuple. Oh,